On this day of Sadhguru Baba, en ce jour du Sadhguru, taking everyone's love remembrances, en prenant l'amour de chacun et chacun de vous, votre souvenir, Baba m'a invoqué et j'étais avec Baba. J'étais avec Baba dans les régions subtiles. Was giving us drishti. Alors, Baba nous donnait le drishti, rempli d'amour. C'était très puissant. And this meeting through the drishti, et cette rencontre à travers le drishti, giving love remembrances, but ce n'est pas seulement de donner l'amour et le souvenir. To bestow us whatever the soul needs. Le Baba veut nous donner ce que l'âme a besoin. Ensuite, après, Baba a partagé le drishti avec moi. C'était très puissant. And then I offered book to Baba. I said, ensuite, j'ai offert pour la Baba et je lui ai dit, Sadhguru, Baba, en ce jour de Sadhguru, Baba, c'est le Bhog. Il y en a plusieurs aussi qui offrent Bhog ce soir. So today, Baba emerged those who were offering Bhog. Alors, Baba, aujourd'hui, a fait émerger celles qui ont qui offrait Bhog et Baba. Alors, je demandais à Baba, pourquoi est-ce que tu les fais émerger? Il dit, ben, la plupart de ces âmes offrent Bhog pour les autres. Alors, ce soir, elle l'offre pour elle-même, donc je dois les faire émerger. C'est très intéressant que Baba a donné Bhog aux âmes. Quelques-unes étaient assises ici et d'autres dans d'autres endroits. Monsieur Baba a dit, Baba m'a demandé si j'étais satisfaite avec mes efforts. J'ai regardé Baba, j'ai dit, Baba, plus nous faisons d'efforts, plus nous portons attention. Je ressens que nous avons encore plus à faire. Elle a dit, oui, il y a un certain contentement dans les efforts, mais je vois aussi, oui, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de couches auxquelles je dois faire attention, je dois porter attention. Baba souriait, il a dit, que ceux qui aiment garder leur endroit propre, plus ils nettoient, plus ils ont l'impression qu'ils doivent, plus il est récent qu'ils doivent nettoyer. Donc, cela ne veut pas dire que tu ne progresses pas. Il y a beaucoup de progrès. Bien sûr, il y a autre chose pour atteindre ce niveau. Lucie? And you do it, that's all, you will reach to perfection. Donc, bien sûr, il y a encore à faire, mais plus vous allez en faire, plus vous allez vous rapprocher de votre niveau de perfection. Donc, de voir ce que vous avez à faire, c'est aussi le secret, parce qu'à ce moment-là, vous allez faire encore plus d'efforts. For Raki. Alors, j'ai partagé à Baba que pour le Raki que vous pratiquez tous et que vous pratiquez tous et que vous portez beaucoup d'attention, Baba dit, plus vous allez faire des efforts. Et Baba, dans sa forme angélique, dans sa forme incorporelle aussi, vous donne des points. Alors, j'ai dit, est-ce que nous avons des points chaque jour? Il a dit, pas chaque jour, mais chaque heure, à chaque heure. Donc, vous allez, comment est-ce qu'on s'en aperçoit? Vous allez le ressentir que vous passez avec honneur. Ensuite,
Vous aurez un certificat de Baba aujourd'hui. Il jouait le rôle du professeur et du Sadhguru aujourd'hui. Le chit-chat avec Baba. Baba dit oui, chacun est attentif, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Donc, il y avait d'autres messages. Baba a donné beaucoup d'amour et de souvenirs pour chacun ici. Et je suis revenue. Soyez un grand donneur. Coopérez avec vos vertus et faites en sorte que les autres fassent de même. Avec vos vertus, en fait, ce sont les vertus de Dieu, mais vous les avez fait vôtres. Avec la puissance de ces vertus, supprimer les faiblesses avec la puissance de ces vertus. Supprimer leurs faiblesses. Êtes-vous capable de faire cela? Êtes-vous capable de le faire? Ou est-ce difficile? Alors, gardez des sentiments bienveillants et ensuite, comme vous donnez un message à travers les conférences et les mots, de la même manière avec vos sentiments bienveillants, votre attitude bienveillante et votre atmosphère bienveillante, donnez ce don de vertu et ce don des pouvoirs. Donner ce cadeau des vertus et ce cadeau des pouvoirs. Puissiez-vous être yogi, puissiez-vous être pur, Acha. Om Shanti, Om Shanti, bienvenue à Avyati Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 19, la personnalité de pureté, le cœur généreux d'une âme pure. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Om Shanti, everyone. Om Shanti, chacun. One who experiences celui receiving, qui expérimente not wanting, but receiving in life.
de recevoir dans la vie, non pas vouloir quelque chose, mais qui expérimente de recevoir l'amour, la coopération. C'est comme des bénédictions, n'est-ce pas? Alors, d'une part, on reçoit de Baba. Aussitôt que je dis, je vois tant de belles scènes, même chez Baba, Brahma Baba et les Dadi. Ils ont donné à tous, à chacun, mais ce n'est pas tout le monde qui le prend. Celui qui a toujours le désir d'apprendre, de grandir et qui ressent toujours que mes seniors, que les dadis ne font que donner, donc je dois recevoir. Et j'ai toujours réalisé combien d'enseignements ont été donnés. Et je n'ai jamais ressenti qu'il y avait des corrections, mais plutôt des bénédictions. Car aujourd'hui, lorsque je pense à tous les enseignements que j'ai reçus par les Dalits, maintenant je peux les utiliser. Alors ma générosité dépend de ce que j'ai reçu. Mais si je ressens toujours que je ne reçois rien, ou peut-être que je ne veux pas nécessairement recevoir. Il y a des âmes qui n'ont pas même pas cette pensée qu'ils ont besoin d'apprendre, qu'ils ont besoin de recevoir. Elles disent, ah, je sais tout. Donc, ceux qui savent tout. Donc, un aspect de la générosité, c'est qu'autant que vous avez, c'est autant que vous partagez ce que vous avez. Je reçois de l'amour de Dieu, je reçois l'amour de la vie, de la famille. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec ce que je reçois? Je dois les partager puisque je les ai reçus. Et ensuite, de prendre soin. Une des choses les plus importantes dans le yoga, lorsque j'ai grandi, c'était de prendre soin. Et cette nature de prendre soin, de ne pas faire qu'aucun soit dépendant et aussi aucun attachement. Mais cela vient de la spiritualité, cela vient de l'amour pur. Parce que quelquefois, lorsque je prends soin, il y a des possibilités que l'autre devienne dépendante. Donc, il y a aussi une possibilité d'avoir que l'autre des attentes, qu'elle demande du soutien. Mais lorsqu'il y a l'amour spirituel, en fait, c'est Baba qui nous donne cet amour. Et je suis certaine que chacun de vous expérimentez déjà l'amour vrai, l'amour de Baba. Et lorsqu'il y a cet amour vrai, ce n'est pas seulement de la générosité, mais ce qui est très important, c'est aussi la vérité. C'est comme si on donnait de notre cœur. Ce n'est pas seulement donner parce que je dois donner, parce que c'est nécessaire. Quel que soit le genre de service, mais cela vient du cœur vrai et aussi le sentiment de l'abondance. Pour moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose, je pense toujours, qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Parce que Baba nous redonne tant de fois, c'est multiplié. Donc, si je donne d'un cœur vrai, donc je vais en recevoir plusieurs fois. Et lorsque je donne avec beaucoup d'amour, donc la générosité devrait avoir cette qualité. La générosité doit avoir cette qualité. Ou immédiatement, je sens que mon cœur s'ouvre de plus en plus.
Et quelqu'un ressent que ce soit le karma yoga ou n'importe quelle sorte de service, ils veulent en faire de plus en plus. Et ce sentiment que je peux faire plus, donc quand j'ai ce sentiment de vouloir en faire plus, ma générosité augmente. Donc nous recevons à travers l'étude. Et Baba, comme Baba a dit à propos de la coopération des vertus, donc si vous remarquez que quelqu'un a un certain tempérament ou est rude ou fluctue, que dois-je faire? Ce que vous avez à faire, c'est... vous devez avoir de la patience. Donc, même si vous dites « je n'ai pas de patience », oui, vous avez la patience, créez les vibrations de la patience et cette énergie se répandra dans le groupe, dans l'équipe. Spécialement pour le yagya, Kala Ben est assise ici. Et je lui dis toujours, il y a toujours une façon de faire les choses, mais chaque pensée doit être, c'est la tâche de Baba, ce sont les enfants de Baba, ont toujours amené Baba dans ce que nous faisons, ne jamais oublier comment ça va arriver, qui va le faire pour moi. Je dis toujours à Baba, il y en a tant, il y a tant d'enfants. Le Baba dit oui, tu vas en avoir encore plus de tâches. N'ayez jamais la pensée que quelque chose est impossible. Jamais. Parce que ça devient comme vous êtes confus. Vous devenez confortable, vous donnez des excuses, vous regardez les situations, vous dites ben, comment est-ce que cela peut être fait de façon pratique. Pour moi, c'est comme si vous êtes pris. J'ai vu des endroits qui ne grandissaient pas, et une des raisons, c'était cette générosité d'apprécier. De partager les vertus, si ce n'était pas assez. Plus nous allons garder notre cœur généreux et rester vraiment honnête et véritable, vrai. Ce n'est pas ce qui est bon pour moi ou confortable pour moi, mais quel est le besoin du temps? Parce que le sacrifice aussi est important, non pas seulement la renonciation, mais le sacrifice. Il y a des temps où nous devons sacrifier. Et lorsque vous sacrifiez, vous en avez encore plus. Baba regarde ce sacrifice et il emplit l'âme d'encore plus de pouvoir. Et c'est pourquoi nous devons continuer notre chemin spirituel. Où il y a de la pureté, il y a cette personnalité de pureté, il y a la générosité. Vous recevoir. Lorsque j'ai étudié le Murli le matin, il y a tant de points. Et ensuite, il y a les bénédictions de Baba, c'est si puissant. Maintenant, nous avons aussi les devoirs pour 3 jours pour le Raki. Donner au soi, recevez et redonner au soi aussi. Et plus vous allez donner au soi, vous serez capable de partager d'autant. Donc, vous vous remplissez et vous allez trouver que vous allez être capable d'être très, très généreux. La générosité a la gentillesse, la bonté. Vraiment profondément, du fond de mon cœur, il y a beaucoup d'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est comme quelle que soit la capacité que j'ai, je vais la maintenir.
devrais dire merci Baba, j'ai ceci, je veux l'utiliser d'une façon illimitée. Et plus vous l'utilisez de façon illimitée, vous recevez de plus en plus de bénédictions. Autrement, cela devient illimité dans tout. La générosité va faire que tout va devenir illimité. Pour tout, je parle de tout, les pouvoirs subtils ou même les ressources physiques. Mais si je garde des limites pour quelle que soit la raison, alors cela ne se multiplie pas. Je suis limitée, donc la générosité ne peut pas être plus que celle que vous avez. Donc, il faut comprendre, utiliser le pouvoir de la pureté, utiliser ce pouvoir de pureté pour devenir illimité. Utilisez-le pour la tâche de Dieu. Et ensuite, vous allez voir sa magie, comment il vous tient la main, il veut être votre compagnon dans toutes vos tâches. Parce que nous sommes des instruments pour une tâche illimitée. Vous êtes tous heureux avec le limité ou vous préférez l'illimité? Parce que c'est ça, cela s'appelle la générosité. Recevoir et partager. Et où que ce soit que vous pouvez le faire, faites-le. Donc, je peux faire ceci, je veux en faire encore plus. Une de mes habitudes, c'est dire, Baba, qu'est-ce qu'il y a de plus? Baba, quelle est la chose suivante? Faisons-la. Je ne peux pas dire, je suis déjà occupée, je suis déjà emplie, ma journée est pleine. Mais vous regardez Baba et vous voyez comment vous pouvez faire plus. Donc, il y en a beaucoup, donc vous le partagez. Et c'est mon sentiment pour chacun. Et quelquefois, je dis, OK, c'est le drama, chacun a son rôle à jouer. Quelquefois, je ressens que nous devrions tous avoir ce but. Et donc, non pas seulement pour notre niveau, mais aussi pour la tâche de Baba, vous pouvez voir ce qui arrive dans le monde d'aujourd'hui. Vous voyez, n'est-ce pas, ce qui arrive? Est-ce que je suis vraiment prête pour l'âge d'or? Baba dit, non, ce n'est pas encore prêt. Baba dit non, mais nous devons le faire. Je pense que nous devons faire encore beaucoup plus. Nous faisons les choses très confortablement, même mentalement. Mais regardez, Baba. Comme Daddy Prakashmin, tout illimité, regardez, voir tout de façon illimitée. Oui, hier, il y a un devoir qui a été donné, et en fait, nous avons pris ce devoir du Murli, et il a été mentionné, la date du Murli a été mentionnée, vous pouvez tous le lire. C'est très intéressant que la pureté, oui, nous sommes purs, mais combien dans l'intellect, quelque chose qui est arrivé l'année dernière, il y a 2 ans, cela revient. Alors notre Srimurti, notre conscience a quelques impuretés parce que nous sommes encore conditionnés, parce que nous portons encore ces impressions de façon très subtile. Donc, notre intellect devrait être subtil. Notre intellect devrait être clair et propre. Donc, les impuretés dans ce niveau, Baba dit d'être complètement propre. Rien, même pas quelque chose d'hier. Parce que nous le transportons, nous le retenons. Alors, c'est pour cela qu'il n'y a pas autant de souvenirs de Baba. Alors, ce raki, vous allez voir ce qui vient dans l'intellect.
Alors cela, subtil, propre et clair, un intellect propre et clair. Gayatri a parlé de l'arc et de la flèche, Arjuna. Gandiva. Et ensuite, la pensée devrait être élevée et déterminée. Elle devient la flèche. Si la pensée est élevée et déterminée, et le cœur devrait être généreux, cela veut dire que Arjuna a gardé Dieu près de son cœur avec beaucoup d'humilité. Donc, le cœur doit être généreux, un intellect subtil et propre, clair. Donc, le Nuri, c'est de février 1988, 28 février. Donc, l'intention de ce devoir, c'est de se rappeler les principes fondamentaux de la pureté. Donc, c'est la fondation de la satisfaction, du contentement, du bonheur, de l'absence d'obstacles et de la proximité avec Baba. Nous voulons atteindre ce niveau. Donc, nous voulons avoir le contentement, le bonheur, l'absence d'obstacles et la proximité avec Baba. Donc, on doit porter l'attention. Brahma Baba's elevated thought gave birth to double foreigners, de se souvenir que nous avons pris naissance, notre naissance divine, grâce aux pensées élevées et aux pensées d'invocation élevées de Brahma Baba, spécialement pour les doubles étrangers. Donc, de la même manière, parce que vous êtes la création spéciale créée par les pensées élevées, vous portez une attention particulière à rendre vos pensées élevées. Donc, de porter l'attention spéciale d'avoir des pensées qui sont élevées, des pensées élevées. Les pensées élevées vont donner naissance aux enfants de Baba. C'est très important parce qu'à certains endroits, le service n'est pas très grand et les enfants, il n'y a pas plus d'enfants. Hein. Le nombre des enfants ne grandit pas. Mais s'il y a des pensées élevées, les pensées élevées vont vraiment atteindre le but dont l'attention est portée sur les pensées. Et vraiment rapidement, vous allez reconnaître les différents types d'attaques de Maya. Vous allez savoir ce que Maya et vous faites des efforts pour les transformer et de devenir victorieux. Et vous essayez d'en finir rapidement avec elle. Donc, avoir un tel intellect, une telle attention, des pensées élevées, ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver? Mayavi, n'est-ce pas? L'esprit continue de changer, le focus, la concentration lorsque Maya vient. Alors, nous portons attention à vraiment avoir une attention particulière à la purification du pouvoir de la pensée. Donc, de placer les pensées devant Babdada ou devant les instruments au cœur pur. Faites de la montagne de pensée des boules de watts et de ne pas accumuler de déchets dans l'intellect divin. Tout ce qui vient du passé est vraiment inutile, Baba. Il appelle cela des déchets. S'imprégner des vertus divines dans la conscience de la propreté de pensée. Les vertus divines, Baba a dit que la divinité devrait émerger de la pureté. En ce moment-ci, ce n'est pas seulement la pureté, mais aussi
la divinité qui devrait émerger. Invoquez votre nature divine avec des pensées pures. C'est ce que vous devez faire. Alors maintenant, ils disent que la flèche d'Arjuna va vraiment atteindre son objectif. Le pouvoir de la pensée voyage extrêmement vite et elle arrive très vite. Cela veut dire que, quelle que soit la pensée pure élevée avec l'âme, donc ça va atteindre l'âme avec la flèche. Donc, à chaque heure, avec attention, en train de voir être un archer comme Arjuna, et laisser les flèches de la pensée viser l'œil de Baba, sa pupille, le point central de la lumière. Donc, encore, en fait, c'est une révision. Mais la première étape, c'est la première, c'est encore la même chose. Que l'intellect soit subtil, propre et clair, stable, régulier, inébranlable dans le souvenir de l'unique. L'étape numéro 2, c'est d'avoir un cœur généreux, d'être l'incarnation de la conscience illimitée de l'âme, d'être détaché de la nature limitée d'essence car. Et là, je pense que vous avez tous reçu le message de Aditya Parivar. J'essaie de le rendre plus simple pour vous. Donc, la troisième étape, c'est vraiment de créer une pensée élevée, déterminée, en plus d'elle et d'enthousiasme à partir du cœur. Qu'il n'y a aucune forme de faiblesse dans cette pensée. L'étape 4, soyez un archer comme Arjuna et dirigez la flèche de la pensée depuis l'arc de l'intellect divin directement vers l'œil de Baba, le point central de la lumière. Et là, c'est l'étape 5, c'est observer Baba, traiter vos pensées et écouter vos pensées. Aujourd'hui, quelqu'un me dit, s'il te plaît, peux-tu demander à Baba qu'il écoute ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de parler à Baba. Et Baba, elle nous écoute, n'est-ce pas? Peut-être que je dois le répéter. Peut-être que je dois redemander. Mais il écoute. Si vous avez cette conscience que Baba me regarde et il voit toutes mes pensées plus faibles et mes pensées plus élevées, lorsque je suis ouverte, il va aider à changer. Si je ressens que je suis OK, même avec des pensées faibles, il y en a qui sont vraiment confortables avec les pensées qu'elles ont. Donc, mais il n'y a aucune logique dans les pensées perdues. Ce qui est perdu est perdu. Donc, que ce soit n'importe quel sanskar subtil affecte l'intellect et les pensées. Et pendant ce raki, nous voulons que notre niveau de pureté augmente à la pour devenir parfait. La première qualité, c'est la pureté, n'est-ce pas? La première qualité, c'est la pureté. Ensuite, il y a l'amour, la paix et toutes les autres qualités. Alors, nous vérifions notre pureté, pureté de l'intellect, la pureté des pensées, mais non pas seulement la pureté, mais des pensées élevées. La pureté est là, bien sûr que nous avons conquis les 5 vices, mais Baba dit qu'il reste encore des petits déchets qui émergent. Et cela, ça fait ça, parce que lorsque vous portez attention, immédiatement, vous le réalisez qu'il y a des petites choses. Et cette personne a fait ça avec moi, ou n'importe quelle sorte. Ça veut dire que ce sont des déchets. Quelque part, nous gardons ces déchets et ça continue d'interférer dans notre esprit, dans notre intellect. Donc, nous devons garder un lien très clair et avec Baba.
Alors, j'ai beaucoup aimé ce mur-là et j'ai dit, créons quelque chose pour 3 jours. Et comme j'ai dit, plus vous allez le faire, plus vous allez savoir, vous allez voir que vous allez avoir un peu plus à faire. De dire je suis OK, ce n'est pas assez. Si vous êtes OK, vous devez être raffiné. Et si vous êtes raffiné, vous devez être super raffiné. Donc, de faire plus d'efforts, de faire quelque chose de plus. Même moi-même, il y a tant de choses que je ne peux plus faire physiquement, comme voyager, et encore là, j'ai encore tant à faire. Et j'ai dit à Baba, s'il te plaît, utilise mon intellect. Utilise aussi mon corps, quoi qu'il est. Donc, bien sûr, il va écouter chacun. Alors, ayez de la générosité et c'est votre vertu de la pureté. Om Shanti. Daddy Prakashan. De joyaux, de lumière. Disons que vous gagnez 600 roupies ou 500 roupies. Pour la somme de 500 ou 600, si vous vivez avec votre famille ou que vous vivez seul avec 500, vous avez besoin au moins de 300 pour vos choses ordinaires, prendre soin de votre mère, votre père, votre famille au moins. Mais si vous gagnez 500, gardez 300 pour la maison, votre mère, votre père et pour vous-même. Maintenant, pour les 200 qui restent. Avec 200, vous allez donner un certain pourcentage, diviser 200 dans 5 parties. Voilà, vous devriez donner 20 au centre. Je donne un exemple ici. Donc, 20 à 25 au centre, gardez-en 20 à 25 dans la banque, donnez-en 20 à 25 pour le service. Pour le service de Baba, 20 à 25 pour le Yavya, et 20 à 25 un peu pour le futur. Alors, vous n'allez jamais ressentir que vous n'avez pas assez d'argent. Vous voyez, nous avons tous à prendre soin de plein de choses. Nous avons besoin de médecine, de médicaments. Alors, je vous ai donné cet exemple pour que vous puissiez diviser votre salaire en deux parties, dépendamment de vos revenus, ou en 6 parties. Je sais que plusieurs d'entre vous ne gardent rien dans la banque. Non. Selon Daddy, définitivement, il devrait y avoir de l'argent à la banque. Ceci n'est pas votre propriété, mais cela appartient à la banque de Baba. Si maintenant vous deviez évaluer votre argent, au bon moment, il sera utilisé. Donc, ce n'est pas le mien, c'est celui de Baba. Considérez que tout appartient à Baba. Deuxièmement, chacun, selon ses capacités, devrait aussi aider leurs parents. C'est votre devoir. Et donc, ils ont besoin de vous. Alors, je dis OK. Et pour le voyagement, pour acheter des choses. Alors, regardez, prenez soin de vous. Si vous avez un prêt, vous devez le rembourser. Donc, donnez-leur quelque chose. Cela va les rendre heureux. Quoi que vous mangiez, mangez avec amour. Donc, manger, buvez. Donc, il n'y a rien de mal. Donc, manger des lentilles, du riz. Nous n'avons pas besoin d'être des hatha yogis. Baba dit,
de s'élever. Donc, nous ne sommes pas des hatha yogis, mais vivre simplement. Nous ne sommes pas très pauvres et nous ne sommes pas très riches non plus. Simple, Baba, simple. Nous sommes des enfants qui vivent avec simplicité dans notre façon de vivre, dans notre nourriture. Et qui gagne 10 à 20 lacs? Non, restez simple. Gardez 5, 8, 10, 20, 200, 8000. Pas 1000. S'il y a quelqu'un qui gagne 2 à 4 000 par mois, levez la main ceux qui ont tant d'argent. Non, il n'y a personne qui gagne ça ici. Alors, 4 à 5 000 par mois, s'il vous plaît, levez-vous. Ne vous levez pas juste pour la forme. Donc, qui gagne autant? Non, vous êtes tous très simples. Nous sommes les enfants de Baba qui vivons simplement. Et c'est pour cela que nous avons trouvé Baba. Les personnes très riches ne vont penser qu'à leurs avoirs. Donc, la connaissance est là. Donc, non. Alors, félicitations aux gens riches. Baba aime les pauvres. Il les embrasse, les riches. Baba dit qu'ils sont privés de l'amour. C'est pour cela que Baba, la protection de Baba va vers les gens pauvres, ses bénédictions, les riches. Non, pas tout cela. Une personne riche n'acceptera pas d'être pauvre. Est-ce que Baba dit dans le Murli qu'une personne riche, le corps est pauvre, même le corps n'est pas le mien, la santé, même les relations ne sont pas les miennes. Mais je dois payer ma partie, je dois prendre soin de chacun avec amour. C'est pour cela que la charité commence à la maison. Om Shanti, welcome Om to Shanti, bienvenue à Vyakti Journey. Through their own stage, revealing the beauty of the Creator. Les ancêtres qui partagent à travers leur propre niveau, qui révèlent la beauté du Créateur. Les histoires du yaga. Alors, le frère raconte que c'est une situation qui est arrivée en 82. Alors, Babiji m'a appelé et m'a dit, Amir Chand Bhai, j'ai entendu dire que le gouvernement avait envoyé une lettre indiquant que si quelqu'un avait accompli 25 ans de service ou de travail pour le gouvernement, vous pouvez obtenir une pension du gouvernement. Habituellement, les gens recevaient une pension après 30 ans de service dans le gouvernement. Et cette fois, le gouvernement a lancé une offre spéciale. Ah, j'ai dit, oui, Dadi, oui, nous avons reçu la lettre. Dadi m'a dit, combien de temps as-tu servi jusqu'à présent? Alors, j'ai dit, Dadi, j'ai terminé mes 25 ans de service
il y a juste 2 mois. Alors il m'a dit, alors vas-y, va prendre une retraite volontaire. J'avais 43 ans à l'époque et j'étais un officier de la Gazette du gouvernement. J'ai dit, Daddy G, que vais-je faire après? De toute façon, je vis au centre et tout salaire que je reçois, je le donne pour le service du yoga. De toute façon, je fais le service de Baba tout le temps, même maintenant. Alors, tu sais ce que Daddy a dit. Elle a dit, Amir Chandal, nous avons beaucoup de gens qui peuvent nous donner de l'argent, mais ceux qui peuvent donner de leur temps sont très peu nombreux et nous avons besoin de temps. Donc, tu y vas et prends une retraite volontaire. Alors, le 1er décembre 82, j'ai pris ma retraite du service public. Je me souviens encore des mots de Daddy G. Vous voyez, avant, je devais me lever le matin, aller au travail et y passer toute la journée. Mais le 1er décembre 82, quand je me suis levée le matin, je me suis sentie comme un roi. Je n'avais plus besoin d'aller nulle part. Après cela, je pouvais aller n'importe où. Je pouvais rester à Madhuban aussi longtemps que je le voulais. Je pouvais faire autant de services que je le voulais. Donc, Daddy m'a rendu libre. Vous pouvez voir la vision si élevée de Daddy G. Elle m'a fait atteindre de tels sommets. C'est comme ça qu'elle pensait, qu'elle voyait les choses. Il y a tellement d'incidents, de situations de Daddy G dont je me souviens. Daddy a pris de grandes décisions. Je vais vous raconter un autre incident et je termine une fois. Le yoga fait face à une situation où nous étions à Pandavaram. Et l'incident était lié à notre zone, donc j'ai été appelée. La situation était telle que j'ai commencé à me demander, voyons comment Daddy G va prendre une décision cette fois-ci. Alors, je regardais avec impatience afin d'apprendre. J'ai vu que la réunion a duré 1 heure, mais que l'expression du visage de Daddy n'a pas changé une seule fois. Daddy G a pris la décision. Elle a écouté tout ce qui se passait. Elle était normale, absolument normale, très, très simple. En fait, j'ai vu qu'en raison de l'attitude simple et élevée de Daddy G, la décision s'est prise très naturellement. La décision que Daddy G aurait prise, le groupe l'a prise automatiquement. Je me suis demandé, mais comment tout cela fonctionne? Tout se passait très facilement et automatiquement. Je me demande vraiment comment tout cela se passe. Une fois, j'ai vu un frère lors d'une petite réunion devenir très émotif et parler un peu durement à Daddy G. Il a dit quelques mots à Daddy G que nous n'avons pas l'habitude et que nous n'avons pas du tout apprécié. Cependant, Daddy G avait un cœur si pur. C'était merveilleux. Après 1 heure, nous avons dû nous lever pour déjeuner. Alors, Daddy a spécialement appelé le nom de ce frère et lui a dit, « Allons-y, mon frère, c'est l'heure du déjeuner. » J'étais tellement surpris de voir ça. Je me suis dit, « Mais cet incident vient juste de se produire. » Le frère a parlé comme ça à Daddy G. Mais Daddy G se comporte comme si rien n'était jamais arrivé. C'est comme si elle n'avait pas du tout pris cet incident à cœur. Elle avait une nature si pure. J'ai vu que ces choses ne l'affectaient pas du tout. Elle entendait ce qu'on disait, mais elle ne les entendait pas. La négativité ne la touchait pas du tout. C'était quelques-unes des caractéristiques de la personnalité de Daddy G. Nous avons également vu que de 1980 à 1997,
Dadi Chandramani s'occupait de toutes nos situations. Mais chaque fois que je venais à Shantivan ou à Madhuban, Dadi Chandramani me disait, allons voir Dadi. Et Dadi Ji disait à Dadi Chandramani, Dadi, tu es là? Pourquoi tu ne prends pas toutes ces décisions? Mais Dadi Chandramani lui répondait, non, Dadi. Tu dois aussi écouter tout ce qui se passe. Tu dois savoir tout ceci aussi. C'est ce que nous avons appris de nos dadis sur la façon de rester en harmonie les uns avec les autres et de faire avancer les choses. Comme celle-ci, il y a beaucoup d'expériences que j'ai qui dépeignent la grandeur de Dadiji, son amour et son cœur pur. Om Shanti. Jo saath mein Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour de l'unique. Om Shanti. Om Shanti. C'est Bonika. J'aimerais vous rappeler que dimanche est un jour spécial. Le 22, c'est le jour du Reiki. Nous allons célébrer le Reiki avec Parivar. Et le 25, c'est le jour de Dadi Prakashmani, donc nous allons offrir un beau spécial. Maintenant, nous allons voir notre devoir. Om Shanti. Devoir et la pratique. Good evening, everyone. Bonsoir à chacun. Om Shanti Didi. This is our homework for tomorrow. Si c'est notre devoir pour demain, generous heart of a pure soul. L'âme, whatever is yours, le cœur généreux de l'âme pure, tout ce qui t'appartient m'appartient et tout ce qui est mien est tien, parce que tout appartient au Père, indique dans cette conscience. Moi, l'âme pure, je deviens un grand donneur des vertus, des pouvoirs et des cadeaux de Baba. Moi, l'âme, je deviens un cœur généreux en plaçant les autres devant. Maintenant, faisons la pratique. Heart of a pure soul. Le cœur généreux de l'âme pure. Whatever is yours is mine. Tout ce qui t'appartient m'appartient et tout ce qui est mien est tien parce que tout appartient au Père unique. With this awareness, I, the pure soul, dans cette conscience, moi, l'âme pure, je deviens grand donneur des vertus, des pouvoirs et des cadeaux de Baba.
I, the soul, moi, l'âme, je deviens un cœur généreux en mettant tous les autres devant. Whatever is yours is mine. Tout ce qui t'appartient m'appartient, et tout ce qui est mien est tien, parce que tout appartient au Père unique. With this awareness, dans cette conscience, moi l'âme pure, je deviens un grand donneur des vertus, des pouvoirs et des cadeaux de Baba. I, the soul, moi, l'âme, je deviens un cœur généreux en plaçant les autres devant. Shanti.